Amélian, bonjour. Nous voilà pour les énergies de ce mois, le mois de juillet qui vient de commencer. Hein. Je suis un petit peu en retard. Je tiens à m'excuser. Hein. Je n'ai pas pu faire autrement. Bon, on est parti. Allez. Allez, avec les portes de l'intuition, on va regarder les énergies principales. Et ici, avec l'oracle de Marie, Mère universelle, ça va être. Donc, je vais faire tirer une carte de synthèse. Voilà. Allez, c'est parti pour ce mois de juillet. Eh bien, on est déjà parti avec une première carte qui s'est retournée. Nos amis lions. Alors, attendez voir, je vais les remettre dans l'ordre. Allez, pour les lions, qu'est-ce que ça nous dit comme énergie? Qu'est-ce qui va se passer en ce mois de juillet? Quelles sont les énergies principales? Ah ben voilà. Oups. Voilà. Pour nos amis lions, voilà la troisième carte. Une carte de synthèse, hein, s'il vous plaît. Pour les lions, ascendant lion. Ah. Elles sont grandes, là, j'arrive pas à les battre. Hein. Celles-ci, là, j'ai mal aux doigts. Voilà. Allez, pour les lions, on a Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ah, c'est une jolie peinture. Alors, comme toujours, il y a beaucoup de rouge hein, dans cet oracle. Puis là, alors, c'est particulier. Hein. Alors, il me semble que je l'avais regardé là quand j'avais fait la vidéo sur l'oracle de Marie. Justement, cette lame là, je l'avais sortie, mais il faudra que je regarde quand même ce que ça veut dire. Sur mon chemin d'amour, je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite. Ah, d'accord. Le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. Bon. Voilà, ici on nous parle de prise de conscience. On vous dit ici, c'est la prise de conscience qui vous rend plus intelligent. Si nous recherchons activement la protection divine qui peut nous conférer Notre-Dame, nous ne serons plus aussi affectés par les négativités qui nous entourent. Nous pourrons alors faire briller notre lumière et l'aspect contagieux de l'amour divin pour aider les autres à abandonner leur négativité. Bon. Oui, en fait, quelque part, cette Vierge Marie, elle est là pour éclaircir un petit peu, mettre un peu de lumière hein, dans les problèmes, en fait, hein, dans la négativité. Voilà, apporter de la lumière. Voilà, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Alors, sur les lames générales, en fait, hein, j'ai sorti, donc on a pour vous l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Il faut essayer d'écouter sa petite voix intérieure. Voilà, on vous dit de suivre les conseils, de vous écouter, en fait, de s'écouter soi. Ah, on a la carte aussi de la clarté. Hein, il me semble que les vierges l'avaient, celle-ci aussi. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ici, voilà, on a besoin ici de faire le point peut-être sur certains problèmes, certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre. On a besoin de faire la lumière ici là-dessus. Voilà, avec Notre-Dame de l'ingérence, elle est là pour ça, hein, pour éclaircir aussi, essayer d'avoir de la lumière là où il n'y en a pas, où il en manque.
peut-être un problème à résoudre ici. Vous allez peut-être résoudre un problème en ce mois de juillet. Et finalement, une fois que ce problème sera résolu, eh bien ici, on vous parle de fluidité. Et on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, écoutez, ben là, j'ai l'impression qu'il y a des lions parmi vous qui allaient résoudre un problème. Hein. Quelque chose va s'éclaircir tout d'un coup. Hein. Et finalement, voilà, vous allez trouver de l'aide, on va vous aider et on va peut-être vous apporter la réponse hein, en cette fin de mois de juillet. Voilà. Ici, on a besoin de faire la lumière sur quelque chose. Allez, voyons voir les détails pour les énergies de ce mois de juillet. Donc là, c'est un tirage général. Alors, il y en a trop là. Oh. Pour les lions. Les lions, ascendant lion, lune en lion. Pour le mois de juillet, il y a celle-ci qui vient. Alors, on va peut-être la mettre comme ça là pour que gagner un peu de place. Mais on ne les voit pas bien, c'est ça le problème. Alors, je vais la remettre là, tant pis. Voilà, comme ça c'est peut-être mieux. Tiens, je vais faire ça. Voilà. Ça tient. Bien. Allez, quelque chose peut-être à solutionner pour ce mois de juillet. Un problème à résoudre ou tout simplement apporter la lumière à une situation qui peut être un petit peu négative. Hein, donc apporter un peu de lumière. Voilà. Hop, allez, une quatrième carte là. Pour ce mois de juillet, donc là c'est des énergies générales, hein, je le répète. On va voir ce que ça nous dit. La suite. Donc peut-être qu'il y aura des personnes qui auront des choix à faire, hein, je pense, pour ce mois de juillet. Allez, on va faire on va tirer quelques cartes du petit oracle des anges pour nous donner des messages. Des messages clairs, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. On voit pas trop bien là si on le voit. Allez, encore un message. Donc, il y en a un autre. Là, il y en a un troisième aussi qui est venu. Allez, voilà. Bien. Allez, on va interpréter maintenant. Bon. Donc là, avec la première carte, en début de mois, on vous disait qu'il fallait être à l'écoute hein, de son intuition, de soi-même, hein, d'essayer d'écouter sa propre petite voix et pour avoir des messages hein, ou essayer tout simplement d'ouvrir les yeux parfois hein, pour comprendre certaines choses. Ouais. Vous allez même jusqu'à... peut-être qu'il y aura des réunions de famille ici. Hein. Vous allez vous mettre autour de la table ici hein, pour essayer de solutionner des choses. Hein. Mais finalement, ça va être une bonne chose en fait, le fait de se réunir ici. Hein. Ça peut être en famille ou au travail ici pour trouver des solutions. Et le message, c'est... Ben là, ici, hein, avec l'archange Raphaël, on vous dit ici, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Hein. Là, ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, de ne pas douter surtout, que les choses vont s'éclaircir. Hein, vous voyez, on vous parle encore de lumière ici. Donc là, on va trouver des solutions. On aura besoin peut-être
de tirer au clair des choses, voilà, qui sont un peu complexes. Voilà, donc en ce début de mois. Ensuite, hein, vous allez trouver, bah, avec la clarté, hein, vous allez trouver eh ben, des solutions apparemment ici. Et là, tout va s'éclaircir. Hein. On vous dit ici qu'il faudra peut-être regarder, voir au-delà de l'apparente réalité. Voilà. Les choses, peut-être des choses qui se cachent derrière autre chose que vous allez voir. Vous allez trouver en fait les solutions aux problèmes qui vont se présenter ici. Là, moi, ce que je vois, c'est peut-être, par exemple, dans le monde du travail, ça peut être dans le monde du travail, des personnes hein, qui vont être un petit peu jaloux de collègues, voilà, ou de vous, en fait. Hein. Peut-être que vous avez une situation qui a évolué favorablement. Et là, moi, je sens des collègues qui vont vous montrer de la jalousie ou qui vont vous envoyer des pics. Hein, vous allez, ou on va vous, on va parler sur votre dos, voilà. Et ouais, donc du coup, ça va donner une ambiance un petit peu pas très bonne hein, si c'est au travail. Hein. Ça peut être aussi dans la famille. Hein. Voilà, on sent une rivalité, on va dire ici. Hein. Voilà. Et peut-être que c'est ça le souci, c'est peut-être qu'il y a une rivalité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le monde amoureux aussi, hein, ou ça peut être aussi au travail. Hein. Donc vous allez essayer de trouver une solution, hein, de mettre tout à plat pour résoudre ce problème. Voilà. Finalement, vous allez trouver de l'aide. Hein, il y a des gens qui vont vous conseiller hein, sur ce que vous devez faire. Hein. Ouais. Donc pour ce mois de juillet. Alors ça va concerner pour certains d'entre vous une femme. Hein, peut-être des choses. Vous avez. Les lions, vous avez en fait peut-être un ennemi. Hein, c'est une, moi, je vois un homme lion en fait qui a peut-être un litige avec une femme. Donc c'est une énergie féminine avec qui vous avez un litige. Et donc là, vous allez trouver de l'aide par rapport à ce litige que vous avez avec cette femme. Voilà, c'est ce que ça nous dit ici hein, dans le jeu. Bien. Et finalement, vous allez trouver, il y aura quelque chose de nouveau qui va se profiler à la fin de ce mois de juillet ici. Je vais quand même tirer d'autres cartes hein, pour avoir un peu plus de matière, on va dire. Un peu plus de choses à se mettre sous les dents. Alors, qu'est-ce que. Oui, je vais prendre ça, tiens. Le tirage au Shosen Tarot. On va essayer d'avoir un peu plus. Quelque chose qui nous éclaircisse. Ouais. Ici, en fait, faites voir. C'est bon. Oui. Oui. Avec cette personne. Vous allez alors. C'est quelqu'un, donc un lion, donc qui a un souci ou un litige, hein, peut-être avec une personne depuis longtemps, qui n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Et là. Vous allez trouver une solution. On va vous conseiller. Et vous serez obligé de faire. Quand même un compromis, hein, ça ne sera pas ce que vous allez revenir sur ce que vous aviez dit avant. Et là, finalement, vous allez couper la poire en deux, comme on dit. Hein. Donc, vous allez faire un compromis hein, pour essayer eh ben, de solutionner ce problème. Hein. Voilà. Ouais. Et pouvoir peut-être vous libérer. Hein. Moi, je sens quelqu'un qui est bloqué par rapport à cette femme, hein, cette énergie. Féminine, il est bloqué pour ce lion-là, il est bloqué pour en fait peut-être il a des projets en tête, il n'arrive pas à les faire hein, parce qu'il y a ce problème avec cette femme. Et là, le compromis en fait, ça va débloquer les choses pour finalement eh ben, après vous partir hein, sur d'autres aventures hein, entre guillemets, hein, c'est-à-dire pour partir et ben, vivre hein, tout simplement. Hein. Voilà. Allez là où vous avez envie d'y aller. Oui, voilà. Donc, ce mois de juillet, pour vous,
Les lions, ça sera essayer d'apporter de la lumière. Hein, vous allez en fait trouver la lumière, en fait, des éclaircissements pour une situation donnée, hein, que ce soit dans le travail ou dans la famille, et même pour certains, des personnes qui ont des litiges, peut-être avec une ex. Hein, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Hein, si vous êtes en séparation, vous n'arrivez pas à vous séparer. Les choses se font mal. Et là, finalement, vous allez terminer ce mois de juillet par un compromis, hein, qui va débloquer les choses. Hein. Voilà. Alors, deux petits messages là à la fin. Je vais vous les lire du petit oracle des anges. Donc, le premier message, c'est foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt. Ben voilà. Vont bientôt s'éclaircir, hein, c'est toujours pareil. Hein, donc en fin de compte, vous allez trouver les solutions. Et le soleil va briller de nouveau. Bon, ben c'est superbe. On finit sur une belle note là, à la fin de ce mois de juillet. Et ici, avec l'archange Michael, donc là, on vous dit le chemin est désormais sans embûches. Bon, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, bah, très belle petite carte hein, pour terminer ce tirage. Voilà, donc les lions, un mois de juillet, vous allez régler vos comptes en quelque sorte. Et finalement, ça va très bien aboutir hein, tout ça hein, pour ce mois de juillet. Bon, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt les lions. Bisous!